David, à l'issue de cette, vous avez été la grande oreille ou les grandes oreilles de cette matinée. Qu'est-ce que l'on peut ressortir? Quels sont les traits saillants qui pour vous sont venus jalonner cette matinée d'échange? Alors merci, effectivement, les traits saillants. Globalement, moi, je ressors de cette matinée très enthousiaste. Au final, je ne ferai pas forcément long sur les perspectives qui ont été dressées dans cette dernière table ronde et avec notamment des bonnes nouvelles annoncées en termes de marché, avec des chiffres annoncés notamment par Olivier Godin tout à l'heure, plus 35% sur le CESI ou sur le SSC. Honnêtement, Enerplan, ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, qu'on vous a envie de pouvoir annoncer. Annoncer de bonnes nouvelles comme ça, enfin, c'est plaisant d'avoir une table ronde où on est sur des bonnes nouvelles. Alors il y a aussi des freins, ça a été évidemment rappelé, mais je voudrais me focaliser quand même sur ces bonnes nouvelles et ces perspectives tracées qui sont enthousiasmantes et qui sont appuyées aussi par ce qu'on a pu dire sur la pérennité des aides, l'articulation de plus en plus intelligente des dispositifs, qui permet à la chaleur solaire de se déployer. Alors il y a encore des secteurs qui sont moins dynamiques, c'est le cas du collectif, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des secteurs qui sont moins dynamiques, et c'est des secteurs qui sont du coup aussi porteurs d'avenir, sous réserve qu'on puisse, comme le disait Olivier Godin, avoir cette communication positive sur le fait que quand on engage un projet solaire thermique, on l'engage sur la durée. Et c'est peut-être un des changements, même si la réglementation environnementale 2020, qui a été très bien présentée tout à l'heure, vu la complexité du sujet, je félicite Pouget, hein, parce que c'est arriver à avoir une présentation aussi synthétique en aussi peu de temps d'un objet aussi complexe, c'est quand même un tour de force que je félicite et que je salue, parce que globalement, on a cette RE 2020 qui fait pas un bon sort au solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, ça a été dit, ça a été rappelé, mais qui du coup pousse aussi les acteurs à être plus ingénieux et plus inventifs dans la valorisation de cette énergie. Et notamment le fait que on commence à réfléchir le bâtiment non pas uniquement en termes de consommation, mais aussi en termes de qu'est-ce que la vie d'un bâtiment, et aussi en termes de quel va être le budget des occupants de ce bâtiment. Et ça a été rappelé aussi dans la table ronde précédente, le budget des occupants, dès qu'on a du solaire thermique, il est considérablement amélioré, au-delà même de la seule considération verte et de la disponibilité tout le temps du solaire thermique. Et donc, voilà, on a des atouts, on a clairement une dynamique qui s'installe, on a aussi, du coup, un outil solaire thermique, ça a été, on l'a vu comme trame finalement au fil de ces interventions, qui va permettre d'adresser toutes les typologies de besoins de chaleur. De la maison individuelle à la très grande installation de papeterie ou au réseau de chaleur qu'on évoquait à l'instant. Et donc on a une solution qui est compétitive, qui est intelligente, qui est jugée très favorablement par les Français. Alors même si globalement, quand on pose la question du solaire dans les études d'opinion qu'on connaît, spontanément on va avoir des gens qui penseront plus facilement au photovoltaïque qu'au solaire thermique, il ne reste pas moins que les technologies solaires, elles ont, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais elles ont en permanence entre 80 et 90% d'opinions favorables ou très favorables. Et donc ça veut dire que les gens, les ménages, les entreprises sont prêtes à avoir du solaire sur leur toit, à avoir du solaire à côté de chez eux pour alimenter leurs besoins. Et donc voilà, je ressors avec quand même un message globalement très positif de cette matinée. Je ressors aussi avec quelques bonnes formules que j'ai entendues égrener au cours de la matinée, et notamment dans l'implication des collectivités territoriales, avec cette volonté de massification qualitative. Et je pense qu'on touche au juste. On est dans une volonté de massification, ça a été rappelé notamment par l'ADEME, mais aussi par d'autres. On veut développer, mais on veut le faire
correctement, dans les règles de l'art, avec des installations qui fonctionnent. Et on a mis en place des outils, alors qui sont certes contraignants pour les faiseurs, pour les installateurs, mais on a aussi des outils qui permettent d'attester de la qualité. On a fiabilisé les installations. La qualité et pérennité, parce qu'on entendait aussi que certaines installations pouvaient durer 30, 40 ans. Exactement. Là où aujourd'hui, un matériel utilisé aujourd'hui va être de 15 à 20 ans, grand max. Exactement, et c'est le grand atout du solaire thermique. Ça exige notamment de reconsidérer la manière, un peu ce que disait Olivier tout à l'heure, de reconsidérer la manière dont on envisage son approvisionnement énergétique, parce que il y a certes le coût immédiat, le combien j'investis quand je construis ma maison, quand j'équipe mon immeuble ou mon bâtiment commercial, industriel. Mais il y a aussi le combien de temps ça va durer, combien ça va me coûter, combien ça me coûtera en renouvellement. Et quand on doit renouveler un équipement tous les 30 ans ou 40 ans, c'est évidemment pas le même impact environnemental ni le même impact financier que quand on doit le renouveler tous les 7 ans ou tous les 10 ans. Et donc là, on a une véritable carte à jouer, et ça nécessite justement d'avoir cette perspective de long terme, et alors qui est sans doute vue positivement à l'aune du Covid, qui est vue positivement et qui explique la dynamique en partie, en tout cas sur les maisons individuelles, avec des gens qui se sont retrouvés plus chez eux, avec des volontés de confort, une réflexion sur leur cadre de vie et sur comment ils s'approvisionnaient en énergie, mais qui évidemment pose question aussi sur l'industrie, par exemple, et la pérennité de l'outil industriel qui, comme ça a été rappelé, nécessite d'avoir de la visibilité pour pouvoir investir et avoir cette vision de long terme. Voilà. Et donc, et je voulais rajouter également que là, une des leçons que je tire de cette matinée, au-delà de la complexité de la RE2020 ou des installations en général, c'est que la solution, elle est justement dans la pluralité des solutions. On a une technologie solaire thermique qui répond à de nombreux besoins de chaleur, ou la plupart des besoins de chaleur. Mais là, je suis persuadé que, comme ça a pu être vu dans les tableaux explicatifs sur la RE2020, on a besoin de combiner les solutions. On a besoin d'hybrider les solutions. Et ça nécessite peut-être de prendre le temps de la réflexion, de sortir de la simplicité. Et la simplicité, elle est parfois facile, mais aussi un peu confortable, notamment quand on a un projet de construction neuve. Si on a quelque chose de normé avec un coût en face et où il faut pas forcément l'étudier pour l'adapter aux besoins, mais simplement prendre le plug and play, quoi. Voilà, du plug and play, une solution usuelle, facile, qui ne nécessite pas d'études particulières et qui sera du coup pas forcément très bien dimensionnée, avec une durée de vie qui sera moindre, etc. Il faut qu'on sorte, c'est un peu out of the box, il faut réfléchir un peu au projet, à la volonté et à la durée, la durabilité de l'investissement qu'on réalise en initial avec... justement, ce coût sur la durée de vie qui permet, comme ça a été dit, au solaire thermique d'être extrêmement compétitif. Merci. Encore un point ou deux, peut-être ? Oui, encore un tout dernier point, et après, je laisse tout le monde aller déjeuner, je vous promets. Non, mais c'est un tout dernier point, parce que je m'en voudrais de ne pas le faire. C'est que je souhaitais simplement, au terme de cette matinée d'échange, rappeler, comme ça a été fait à plusieurs reprises, qu'on poursuit les discussions cet après-midi. C'est ça, exactement. Voilà. Que pour ceux qui souhaitent et qui ne l'ont pas fait, il faut s'inscrire pour pouvoir vérifier. Dans le petit mail qui vous voilà, a été envoyé. Pour pouvoir vous connecter au GoToWebinar et suivre les discussions de cet après-midi, selon que vous soyez intéressé ou expert. Et aussi remercier, et ça j'y tiens réellement, remercier toute l'équipe d'Atlanson qui a travaillé avec nous sur l'organisation de ces états généraux et l'accueil dans cette région Bretagne qui est
comme ça a été vu au travers des acteurs qui sont intervenus ce matin, très dynamique. Remercier aussi tous ceux qui sont intervenus ce matin au cours des différentes tables rondes plénières et tous ceux qui interviendront cet après-midi, qui n'ont pas encore eu la parole ce matin, mais qui sauront s'exprimer cet après-midi. Remercier évidemment tous ceux qui nous ont suivis sur le direct ce matin ou qui nous suivront en replay par la suite. Et souhaiter évidemment un bon appétit à tout le monde sous le soleil breton. Merci beaucoup David, merci d'avoir été présent donc pour cette plénière, cette matinée de plénière des états généraux de la chaleur solaire 2021. Merci aussi à toutes vos équipes d'Enerplan hein, qui ont travaillé de main de maître pour que les slides, que pour tout le travail effectué en amont. Merci à vous tous, bon appétit, on se retrouve tout à l'heure aux